Bonjour, je suis Christine Pelos de Home Like Home. Je suis descendue du TGV ce matin pour vous présenter Home Like Home Lyon et notamment Sophie. Bonjour Sophie. Christine, bienvenue dans ta ville. Merci. Et on commence cette visite sur la colline de Fourvière, qu'on appelle aussi la colline qui prie. Nous sommes devant Notre-Dame de Fourvière, qui est un des monuments les plus visités de France. On est descendu de Fourvière à Saint-Jean et là on est sur la place de la cathédrale Saint-Jean avec la magnifique cathédrale qui est dans mon dos. Et là on est dans le vieux quartier de Lyon. Un détail lyonnais, les jalousies qui n'existent que sur les immeubles lyonnais, donc qui sont en fait des stores qui se permettaient de se cacher des autres. On est rue du Bœuf et on arrive devant Food Traboul. C'est le nouveau lieu gastronomique à la mode qui a été monté par Tabata et Ludovic Mer. C'est le lieu The Place to Be. C'est le quartier des Bouchons lyonnais, comme vous pouvez le voir avec toutes les terrasses. Si on aime bien manger les tabliers de sapeur, la cervelle de canut, le saucisson lyonnais, enfin des mets bien gras, costauds, tout ça végétarien, c'est ici qu'il faut venir. Spécificité du vieux Lyon avec les poutres en bois, et comme on est dans des immeubles du 17e, des petites fenêtres comme on peut voir un peu partout. Ça c'est typiquement lyonnais, des poutres, des boîtes aux lettres, enfin spécifiques à ce vieux quartier. Et surtout ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc il faut être jeune pour habiter là. Il faut aimer la vie nocturne parce que les terrasses, des bars et des restaurants ferment tard. Donc si on aime la vie plan-plan, il ne faut pas habiter à Saint-Jean. On quitte le quartier touristique du vieux Lyon pour aller sur la presqu'île. Sur la presqu'île, donc il y avait un quartier où il y a beaucoup plus déjà de poussettes, d'enfants, moins touristiques. On est place des Célestins avec son fameux théâtre. C'est une des places les plus appréciées des Lyonnais. À Paris, on a les Vélib. Ici, c'est le Vélob. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le Vélob a été inventé avant le Vélib parisien. Les Lyonnais aiment bien manger et particulièrement bien boire. Et là, on est dans la cave du Murato, qui est spécialiste, entre autres, des vins corses. Bonjour. On a ouvert il y a 7 ans sur la place des Célestins ce magasin qui est pour moi avant tout un magasin mais qui fait office de bar à vin et de petite restauration. Donc on a un lieu un peu hybride où vous venez manger et boire un coup dans un shop qui est ouvert en wine bar uniquement le jeudi soir. Et sinon on peut venir boire et manger à toute heure de la journée. Ici on est place Bellecour, épicentre de Lyon. D'un côté on a le quartier des familles avec le village des Nets et de l'autre côté on a le quartier beaucoup plus commerçant avec la rue de l'Arrée, la rue Isola. Et en moyenne on est à 10 000 euros du mètre. Avec un petit ascenseur.
Je suis Sophie, votre chasseur immobilier à Lyon. Nous voilà devant la porte principale du parc de la Tête d'Or, le véritable poumon vert de Lyon, fréquenté par toutes les familles lyonnaises. Le parc de la Tête d'Or, c'est 105 hectares de verdure, un grand lac, une roseraie, un zoo avec une plaine africaine, des kilomètres de pistes cyclables et un théâtre de guignol. Pour un week-end lyonnais réussi, le parc de la Tête d'Or, c'est un incontournable. Ben voilà, ça c'est un peu le rêve en fait. La maison en face du parc. On attaque la Croix-Rousse et qui dit Croix-Rousse dit escalier. Alors vous avez intérêt à avoir des mollets en acier. Là, c'est quand même pas facile tous les jours le métier de chasseur, c'est moi qui vous le dis. C'est pas de l'électrique là, hein. Je vous emmène visiter un appartement canu avec Aurélie de l'agence Bumper. À Lyon, ne jamais se fier à l'extérieur. Allez, en avant pour la visite d'un véritable appartement lyonnais, autrement dit un canu. Bonjour. Donc on est là dans un ancien atelier de soyeux. D'où la hauteur sur plafond, parce qu'il fallait faire rentrer les métiers à tisser. D'ailleurs, le propriétaire nous a dit qu'on retrouvait dans les poutres des clous, des attaches. Donc, il prouve bien que c'était bien utilisé par des soyeux. Du coup, dans ces grands appartements haut de plafond, les Lyonnais font souvent des mezzanines. Alors, j'avais pas raison qu'il fallait jamais se fier aux extérieurs. Vivre à la Croix-Rousse, c'est vivre dans un petit village. Alors, nous sommes sur la place du marché d'ailleurs, avec les deux artères commerçantes, la grande rue de la Croix-Rousse et la rue du Mail. Si vous voulez organiser un petit machon lyonnais, vous savez, ce petit repas que les maraîchers prenaient là, très tôt le matin avec un coup de Beaujolais avant d'aller vendre leurs denrées au hall, le rendez-vous est chez Sibilia. Vous y trouverez le pâté en croûte, la rosette, le Jésus, bref, la charcuterie à Lyon, c'est la vie. Voilà, sur les pentes de la Croix-Rousse. Il vaut mieux descendre que monter. Comme vous l'avez appris à l'école, Lyon, c'est la capitale des Gaules. En voici un exemple, l'amphithéâtre des Trois Gaules. Le deuxième amphithéâtre gaulois se trouve sur la colline de Fourvière. Nous voilà dans le 6e, c'est un peu notre 16e lyonnais. Alors dans le 6e, ce que les gens adorent, c'est ces petits squares avec les enfants qui jouent, l'église à côté et des magnifiques appartements. Alors si vous optez pour la version à l'ancienne, vous aurez des tout petits balcons, mais par contre, il y a quelques bâtiments modernes avec des grands balcons. Cerise sur le gâteau, votre ticket d'entrée pour le meilleur lycée public de Lyon. Le lycée du parc. Pour habiter place Puvis de Chavannes, il vous faudra quand même débourser plus de 7000 euros le mètre carré. Quartier Confluence,
nouveaux quartiers, ce qu'on pourrait comparer par exemple au quartier François Mitterrand à Paris. Des immeubles hyper modernes. Moi, je suis fan. Alors, le quartier Confluence est connu pour ses bureaux, son centre commercial qui s'appelle d'ailleurs Confluence, très original, et surtout, il y a plein de restaurants et de bars, comme on peut voir là, avec la petite terrasse, et c'est vraiment super agréable. Sans oublier la Sucrière, où il y a souvent des concerts qui ont lieu. Là, c'est en fait le quartier des docks qui a été réhabilité et où de nombreux immeubles ont été construits il y a une dizaine d'années, sachant que le prix au mètre carré peut atteindre des sommets ici, plus de 10 000 euros du mètre carré. Et là, il y a un des immeubles les plus beaux de Lyon, enfin en tout cas considéré comme un des plus chers prix au mètre carré. Merci pour cette super journée à Lyon, j'ai passé une journée extraordinaire. J'en ai un peu plein les pattes parce que j'ai monté un sacré nombre de marches entre la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. Mais vraiment, quel délice. Bon, mais il faut revenir parce que j'ai encore 2-3 trucs à te montrer. D'accord. Et alors, si on cherche un appartement à Lyon, on sait où te trouver. Vous me contactez, homelikehome.com ou par téléphone. À bientôt. Au revoir.